Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Alors, on est reparti pour un épisode de Subnautica. Ça va être énorme. J'espère que vous êtes prêts, parce que là on va faire de la construction et on va pas faire semblant. Alors, c'est parti mon kiki. On va commencer par prendre le temps. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? J'ai farmé. Pas mal farmé, ouais. J'ai construit, je vous le montre rapide, mais c'est pas grand chose. Quelques coffres ici, hein, parce que je commence à être court au niveau stockage. Un ici pour stocker le sel des bouteilles d'eau que je fabrique. Et ici de quoi mettre des plantes éventuellement pour mettre dans le bioréacteur. Rien de bien plus. Hop, on est parti. On a un message radio qu'on ira voir tout à l'heure. Ah, j'ai fait aussi la... de quoi recharger les grosses piles, les piles que l'on met dans le Simoff. Alors, ça, c'est ce qu'on n'a pas fait la dernière fois. On améliore le canon à propulsion. Ok. Ensuite, on veut 4 lithium et un réservoir de oxygène. Le lithium, qui est vraiment une ressource compliquée à avoir. Alors, ce que je fais pour les ressources, je peux vous montrer. C'est qu'en fait, les endroits où je trouve cette ressource en bonne quantité... Par exemple, vous voyez, hop, la zone pour trouver des rubis. Je l'active, on la va la mettre en rouge par exemple. Voilà. Regardez. Hop, zone à rubis, à 1000 mètres. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que je pose, comme vous pouvez le voir ici, je fabrique une balise, je la pose à l'endroit en question, et après je n'ai plus qu'à l'activer pour retrouver l'endroit. Dans cette zone là-bas, pour me faciliter le... Je me suis fait une toute petite base avec juste une pièce principale avec un bioréacteur. Parce que c'est en profondeur, il n'y a pas de soleil. Je me suis fait une zone... comment ça s'appelle? Je suis arrivé, une zone de recherche. Hop. Pourquoi j'ai paumé le nom? Pas d'énergie. Oups. Pas un problème. Voilà. Donc j'ai fait une salle de scanner. Merci. Je suis en train de le crier, c'est ça. Et dans cette salle de scanner, j'ai mis les deux améliorations dont je me sers. La vitesse et les distances. Ce qui fait que du coup, je me retrouve à trouver facilement certaines ressources. Les rubis, par exemple, qui sont pas faciles à trouver. Je m'en suis servi déjà de pas mal. Et vous pouvez voir que ici, dans le coffre à rubis, il m'en reste pas mal encore. Voilà. Et tout ça, je l'ai fait en une seule excursion. Donc ce sont des bons plans. N'hésitez pas à me demander s'il y a des ressources que vous ne trouvez pas. S'il y a des pièces de... que vous ne trouvez pas. N'hésitez pas à me demander et on verra ça ensemble. Il n'y a pas de problème. Alors, il nous faut notre réservoir. Hop, d'oxygène. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ouais. Réservoir... à haute capacité, c'est bien ça. Léger réservoir à haute capacité. Alors, ça va pas, ça. Il nous faut un réservoir à haute capacité. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il nous faut pour le fabriquer? On va voir au fabricateur. Personnel. Équipement. Alors. À haute capacité, il nous faut un réservoir standard. Donc, 3 titanes. Il nous faut ensuite, en tout, 7 titanes, 2 verres et un minerai d'argent. Alors le titane, on en a ici. 1, 2, 3, 6, 7. Du verre. Ah, je vais pas en avoir assez. Ok. Je vais pas en avoir assez, donc on verra ça après. Tant qu'on va faire ça, on va mettre l'appareil sur le cristal. Comme ça au moins, dès qu'on ira les chercher tout à l'heure. Voilà, il va nous chercher du quartz. Donc le réservoir, pour l'instant, on ne peut pas le faire. On peut faire le réservoir de base, mais pas la suite. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez voir qu'on va se régaler. Il nous faut deux plombs, lingots de titane et lubrifiant. Ok. Alors, j'ai préparé quelques trucs. Lingots de titane. Ok. Il nous faut...
Je me rappelle plus déjà. Il en a dit de plomb et du lubrifiant. Hop. Et du lubrifiant. On l'a pris. Le plomb, on va le trouver ici. Ok. Bon, il fait nuit, c'est pas cool ça. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Il y a des chances que ici ça le fasse. Ouais, c'est assez balèze qu'on va essayer de faire. Est-ce que c'est connecté ça? Non. Alors peut-être qu'il nous faut... un tube comme ceci. Que je ne peux pas poser là. Que je peux poser là peut-être. Non plus. Là on peut. Pourquoi je peux pas le poser dans ce sens? Il y a encore des moments où je galère avec les constructions. Ah mais je sais. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un croisement? On va faire ça. 3 titanes. Vous voyez le quartz qui commence à apparaître? Et c'est comme ça que je farme. Alors évidemment, ici il y a des ressources de base. Les ressources difficiles. Les ressources plutôt rares. On les trouve pas dans le coin. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, il nous en faudrait 3. On va en prendre 6. Alors. Qu'est-ce que c'est qui éclaire? Ah, je suis bête. Ce sont mes lumières que j'ai installées, tout simplement. Je peux pas. Ici, ça pourrait être pas mal. Allez. De toute façon, dans ce jeu, tout ce que vous construisez, vous pouvez le déconstruire. C'est pas connecté, ça. Si. Alors, du coup, j'avais peut-être pas besoin de faire ça. Voyons. C'était peut-être pas nécessaire. Non, ce n'était pas nécessaire. Je vais en faire un là. Et j'aimerais bien en faire un deuxième. After weeks without human contact. It is normal to experience psychological discomfort. Okay. Welcome aboard, Captain. Symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Ok. Oui, j'ai pas d'objet animé, mais... est-ce que je peux le mettre là, du fait qu'il y a un hatch? Oui. Ah, vous allez voir, ça va être monstrueux. Ok. Alors, on a notre coque d'intégrité, je l'avais amélioré, mais pour l'instant, ça va mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai construit? Vous savez peut-être pas ce que c'est, ou vous savez peut-être ce que c'est. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et voilà. Et voilà. Ah, je suis tombé. C'est pas la classe, ça. Regardez-moi ça. On est au top, les amis, je vous le dis tout de suite. Comment rentrer dans notre base? Alors, ensuite, on n'en a pas fini avec tout ça. On n'en a pas fini avec tout ça. Alors, on va prendre quelques trucs et on va voir. Il nous faut, je pense qu'il nous faut ça, ça, un truc du genre. On va prendre pas mal de ressources. Parce que je ne sais plus exactement ce qu'il faut. Et on a un quartz ici, ça c'est intéressant. Ok. Lingot de plasticier, on prend. Ok. On va prendre un peu tout ça. Waouh, ça change, hein. C'est beau. Hein. Vous allez vous me demander pourquoi j'en ai fait deux. Ça, et vous avez bien raison.
Mais vous allez comprendre. Et ce, assez rapidement. On va construire autre chose. Alors là, il me faudrait un hatch normal quand même. Faudrait que je mette ça. Même si c'est pas trop la mort de monter par là. Donc on a dit qu'il nous fallait deux plombs. Hop, je sais pas de quoi. On va mettre ça dans les plantes. Du plomb et je sais plus. Quand on n'a pas de tête, hein. Il me manque autre chose. Je ne sais plus. Deux diamants. Ok. C'est parti. Deux diamants. Ça, c'est pas un problème. J'en ai plein des diamants. Par contre, j'ai pas la place de... Hop. Hop. Ok. Je sens bien tout ça. C'est parti, les amis. Yes. Regardez-moi ça. Ouh, que c'est bon. Alors on peut y mettre des améliorations. On peut y mettre du stockage. Alors on a des diètes. On peut mettre des coups. On a... J'ai aussi débloqué, je sais pas où on le construit, on verra après. La plant suit, c'est énorme. Voilà. Yes. Et on a du véhicule, les amis. On est au top du top. Alors, comment je fabrique? Je crois qu'on peut fabriquer une amélioration, mais je sais pas comment. Voyons. C'est pas ici. Non. Je pense qu'on peut pas le débloquer tout de suite en fait. C'est peut-être juste ça. Je crois pas que ce soit ici non plus. Non. Outils. Non plus. Bon, on va déjà aller chercher un peu de cristal. Il nous a manqué quelques-uns tout à l'heure. Et on va pas se priver. Oh, il faut qu'on mange aussi. Et qu'on boive. Alors, boire, c'est pas nécessairement un souci. Manger, ce qu'il y a de pratique avec ce nouveau couteau que j'ai là. Quand on arrive à choper un poisson, évidemment. Vous allez voir. Je me rapproche. Et hop. Un poisson cuit. Il m'en faudrait un autre. Cela on peut pas. Wow! Tu vas te calmer, toi? Tu peux pas les manger, ceux-là? Non. C'est pas grave. Il y en a d'autres, des poissons. Alors, il est où? Il est où le coquin? Il est là. Ok, regardez.
Hop. 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 On est pas mal. Alors, on a dit qu'on voulait du quartz, évidemment. Là-bas, il y en a pas mal. Et là-bas aussi. Oui, il y en a partout. Ce sont des ressources de base. J'en avais fait le plein il y a un moment de ça. Mais depuis, j'en ai utilisé quelques-uns. On va en prendre 4 ou 5. Ça devrait suffire. Le farming, je vous le fais toujours hors caméra jusqu'à maintenant. Voilà, ça devrait suffire. Allez, on retourne à la base. Oui, pour la base, pour la retrouveuse donc. J'ai mis un petit... plot là, qui nous permet... On peut définir sa couleur, on peut définir son... Là où il est. Et on est au top. Alors actuellement, on va voir si combien on va gagner au niveau oxygène. Pour l'instant, on est à 135. Alors il nous faut du vert. Il nous faut un réservoir 3 normal. Après, il nous faut faire un réservoir haute capacité. Ok, nickel. Est-ce que j'ai sur moi les 4 lithium? Parce qu'il me semble qu'il nous fallait 4 lithium. Oui. Alors, on a peut-être tout ce qu'il faut, voyons. Yes. Réservoir à très haute capacité. Je pense que c'est peut-être le plus gros. Voyons. On va passer de 135 à... Ouh. On a gagné quasiment 100. C'est monstrueux. Génial. Génial, génial. Ensuite, j'en ai pas terminé avec vous les amis. J'en ai pas terminé. Voyons. Alors ça, c'est quoi comme amélioration? Comme ça, on peut pas s'en servir. Ok. Alors. Ok. Celui-là, on veut le déposer. Ok, alors. Voyons, voyons. Plomb, lingot de plasticier, lubrifiant. Ok. Oh, ça va être bon. Je vous le dis tout de suite, ça va être énorme. Vous avez sûrement lu. Si vous l'avez pas lu, n'allez pas le lire. Gardez-vous les surprises. Alors, lingot de plasticier. Mais j'en ai un seul. Et il m'en faut 3. Mais il me semblait que j'avais tout stocké. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire des lingots de plasticier? Voyons. Un lingot de titane et 2 lithium. Oh, me dites pas que je vais plus avoir de lithium. Est-ce que j'en ai ailleurs du lithium? Hop. Hop. Et il me faudrait un lingot de titane. J'aurais pas de quoi, j'en ai pas assez. Hop. Ok. Je crois qu'il m'en faut 10, donc il y en a 3, 6, 7, 8, 9. Oh, il m'en manquait un. Pas de chance quand même. Un lingot de titane. Lingot de plasticier. On a dit qu'il nous fallait du lubrifiant. Ok. Alors. C'est vraiment pas des ressources qu'on utilise beaucoup. Vous avez pu voir que j'ai fait ça en début de partie. Et j'en ai jamais refait. Donc on va pas s'en plaindre, hein. Hop, on va aller chercher un peu d'eau.
Hop. Et hop. Vous voyez, maintenant, l'eau, c'est plus vraiment un problème. Faut penser à la ramasser de temps en temps parce qu'après, c'est plein. Alors, pourquoi est-ce que j'ai aussi déplacé mon truc pour fabriquer les véhicules? Parce que le véhicule qu'on va fabriquer, il est énorme. Et trois plombs. J'ai encore oublié quelque chose, c'est pas possible. Quand on a pas de tête, on a des jambes, c'est ce qu'on dit, non? Faut que je me rajoute des entrées. Là, ça va être pénible. Hop, trois plombs. 1, 2, 3. Le plomb, c'est pareil, c'est pas une ressource qui est énormément utilisée. Une ressource qui est beaucoup utilisée, c'est le cuivre. Le cuivre, le titane, évidemment. Qui est le verre. Après, il y en a d'autres, hein. Mais ce sont des ressources qui sont énormément demandées. Et c'est parti! Attention! Yes! Regardez-moi la taille de notre nouveau joujou! Is designed to be operated by a three-person crew. Only experienced helmspeople should attempt to pilot this vehicle solo. T'inquiète pas, on va se débrouiller. Regardez-moi ça. Oh yes. Regardez-moi ça. Si c'est pas la top classe. On va visiter notre seconde maison. C'est énorme. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ouh, c'est monstrueux. Alors regardez, je vous fais faire la visite complète. Espace de stockage. Ici, on a de quoi accrocher un véhicule. C'est énorme. Là. Allumer et éteindre les lumières internes. Ah, c'est ça. Basculer. Ah, ça, c'est les projecteurs externes. Si on veut les éteindre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on peut gérer la couleur. Alors, par exemple, couleur de base. On va prendre la couleur du logo de Yann Solo. Hop. Quelque chose d'approchant. Il me faudrait un bleu clair. Ah, là, on est pas mal. Ensuite, la bande numéro 1, on va la mettre en noir. La bande numéro 2, on va la mettre en blanc, si on peut. Hop. Et le nom, on va le laisser en noir. Ok, nom du sous-marin. Cliquez pour modifier. Alors, comment on pourrait l'appeler? J'ai pas pensé à réfléchir à ça. On peut faire original. Ah, mais alors attendez. On peut faire original. On peut l'appeler. On va avoir. Le Falcon. Ça rentre? Non. Le Falcon. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas. Je suis preneur. Alors, ici, on a l'intégrité de notre vaisseau. Oh, regardez-moi le boulot qu'ils ont fait. C'est monstrueux. Un extincteur. C'est incroyable. Ici, on a le poste de pilotage. Alors, quand on le pilote, on lance les moteurs. Incroyable. La vitesse de déplacement. Ouh, ça c'est qu'on n'est pas loin d'avoir une collision. Engine powering down. Ici, on a les caméras. On peut le piloter sous différents angles, différentes caméras. Lumière sur chaque caméra. Mon Dieu, c'est incroyable. Mode silencieux, si on ne veut pas faire de bruit.
Énorme. Ok. Alors ensuite, on va continuer la visite. Et on s'en servira pour aller sur notre prochain rendez-vous. Ici, c'est pour le, si on a un véhicule amarré, d'ailleurs. Je me demande si on peut pas s'en servir de... Ici, c'est pour mettre les torpilles. Eh oui, on a des torpilles maintenant. Les batteries de stockage. Les améliorations. Le moteur. C'est énorme. Et de l'autre côté, on a la même chose. Voilà. Regardez-moi ça, comme il est beau, notre nouveau joujou. Après, il faut savoir que... On va pouvoir aussi venir se mettre ici de la nourriture, des nouveaux coffres, de quoi fabriquer de l'eau. On peut construire ce qu'on veut, où on veut dans ce jeu. C'est assez énorme. Si par exemple, je ne sais pas moi, on veut un appareil radio, on pourra le mettre. Si on veut, hop, un coffre, on peut le mettre. Si on veut un lit ou de quoi mettre, faire des plantations, on peut aussi. Ce qui d'ailleurs sera une très bonne idée. Là, il n'y a rien, donc c'est normal. Alors, par contre, où est-ce que ça nous mène ça? Juste là. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va hop, prendre un peu de nourriture. Alors, voyons un peu les couleurs, ce que ça donne. Yes! Le Falcon. Et on n'est pas bien là. Hein? On n'est pas bien. Je vous avais dit qu'on n'allait pas faire semblant sur les constructions. Alors voyons. Ça. Un truc que l'on a qui est là. Amélioration, rendement du moteur. Nickel. Ensuite, de quoi on peut avoir besoin? On va se nourrir, tiens. Nourriture facile, c'est pour ça que j'ai planté ça. Et d'ailleurs, je devrais en mettre aussi, au possible, dans notre vaisseau. Regardez si ça dépanne pas. C'est assez énorme. Hop! Voilà. Est-ce que j'ai de quoi fabriquer des pots un peu plus petits? Il faut deux titanes, donc il m'en faudrait 4 pour bien faire. Est-ce qu'on en a sur nous? 1, 2, 3, 4. On va en prendre 6. Le plomb, on va le stocker, le laisser ici. Ici, notre deuxième réservoir, on n'en a peut-être pas besoin. Pour bien faire, il nous faudrait une pile. On en a une. Le réservoir, on va le laisser là. On va le mettre dans notre coffre fourre-tout. Ok, on va prendre quelques trucs comme ça. Minerai d'argent et magnétite, on n'a pas besoin. Minerai d'argent, magnétite. Ben on est pas mal. On est pas mal du tout. On va prendre au cas où. Ça peut toujours servir. Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne sais plus. Alors ça, c'est plus des plantes, faut que je fasse gaffe. Ça, on va le stocker. Tablette extraterrestre, ça peut toujours servir. On ne sait jamais. Est-ce qu'on a de l'eau? J'en ai 3. On est bien. Ok. Allez, on va aller planter du melon. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Alors... Welcome aboard, Captain. Oui. Donc le Simov, j'ai augmenté sa capacité. Maintenant il peut descendre jusqu'à 300 mètres, comme vous pouvez voir en haut en zone. Et il y a une capacité de stockage. Regardez ça. Oh punaise, c'est pas énorme. C'est génial, j'adore. Oh non! Ici. On va anticiper les problèmes, hein. Ah, on peut mettre qu'un si petit que ça. C'est ridicule.
On peut mettre un grand. Ok. Allez. Là. Ça nous permettra toujours d'avoir de la nourriture au cas où. Yes. Ok, ça aurait pu être pas mal presque. On va fabriquer un autre. On n'a pas de quoi. Tant pis, c'est déjà bien. Voilà. Ensuite, l'amélioration, on va aller la poser. Ok. Efficacité du moteur à 300%. Et bim! Ok, et là du coup on a accès au SIMOF. On a accès à ces améliorations. Génial. Donc on voit, il y a une capacité de stockage. Et le... Ça c'est la pile. Et la possibilité de descendre plus profond. Donc, on va aller chercher notre appareil radio. On va pas sortir. On va le garder là, le SIMOF. On n'a pas besoin. Est-ce qu'on utilise notre... Faites voir. Notre énergie? Non. Tout va bien. J'avais peur que les lumières internes, en fait, utilisent de l'énergie. Mais ce n'est pas le cas. Ok. Alors. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on veut le garer. Est-ce qu'on devrait essayer de lui faire une espèce de dock ou quelque chose qui pourrait être sympa en soi? On peut remonter direct. Allez, 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 allez. Non, ouais, pas rêvé. Alors, voyons notre message. Alors, pour l'instant, on a déjà des lieux que l'on doit visiter, que l'on n'a pas fait encore. Il y a celui-ci. Pour le Degassi. Le Degassi, c'est le vaisseau qui s'est écrasé avant le nôtre. Je sais pas si vous vous rappelez dans l'histoire. Et ils ont eu des problèmes, évidemment. Hein. Ils sont allés à 200... On les a visités à 250 mètres, dans la grotte où il y avait les espèces de champignons roses. On n'était pas loin, me semble-t-il. Où il y avait les espèces de vers parasites. Et il y a un autre emplacement à 500 mètres de profondeur. Donc là, on est loin du compte. Ensuite, il y en a un à 300 mètres. Celui-là, on va aller le visiter. On va voir. J'ai même pas fait gaffe à combien de mètres il descend notre nouveau... Notre nouveau bébé. Alors voyons. Message radio. Ok. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial details. Signal location uploaded to PDA. Ok, cool, on a un nouvel emplacement. Alors, où est-il? En général, ils apparaissent avec l'œil. Le cyclope. Ok. La prend suit. La base. Ah, c'est celui-ci. Un passager de haute... 175 mètres. Ok. On va tenter le coup. Alors... On va aller à celui-ci en jaune. Et on va... Non, on va même le mettre... On va le mettre en rouge, on le verra mieux. Et après celui-ci, on essaiera d'aller, si on peut, à celui qui est à 300 mètres. Ok. On est parti. Qu'est-ce que je voulais? Non, c'est tout. Est-ce qu'on n'a pas trop de choses dans notre équipement? Non, ça c'est bon. On garde. Allez, on va tenter de piloter notre nouveau bébé. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ha ha ha. Je sais que tout est en ligne. Ok. Voilà, on a du melon. Celui-ci, on l'a même pas essayé, ça craint. Hein. Ouh, ça peut être sympa ça.
Alors, où est-ce qu'on doit aller? Ok. Alors là, on a un joujou qui est plutôt balèze. Donc il va falloir qu'au niveau du pilotage, on soit vigilant. Ok, vitesse 2, ça m'a l'air pas mal. Il a l'air de se piloter de la même façon. Oh. Ça c'est pour remonter. Et comment on descend? C'est pour avancer, reculer. Les amis, je n'arrive pas à descendre. Ok, alors, on va regarder ensemble. Options, clavier. Ok, utilisation alternative. Peut-être, F. Descendre, C. Ok. Voilà. Alors, voyons. Alors, je vais essayer d'aller activer les phares. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Hein. On va économiser l'énergie. C'est que... normalement, on est censé être 3 pour piloter ce vaisseau. Si vous voulez me rejoindre, je vous en prie. Ça pourrait être sympa d'ailleurs, que sur le prochain DLC, le Arctic qui va sortir, il y ait une possibilité de faire de la coop ou du multi. Ça serait assez énorme. Alors... j'ai pas regardé la capacité de profondeur. 500 mètres, yes! Ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller sur tous les trucs qu'on n'a pas fait encore. Par contre, c'est pas très rapide, hein, je vous l'accorde. Mais c'est trop la classe. Vous avez pu voir que j'ai sorti un tuto sur Oxygen Not Included. Parce que ma base était sur le point de mourir. Et j'ai... toujours à 100%. Alors, c'est pas très rapide, mais suis-je bête? Ahead flanked, emergency speed. Warning, vessel captured. Excessive noise. Il y a une grosse différence de vitesse, hein. On peut passer par là. On va faire le tour, je voudrais pas prendre un rocher. Warning, engine, overheat. Ah ouais? On peut pas faire ça longtemps, non? Ahead standard. Je ne veux pas l'abîmer. Oui, j'ai galéré, j'étais sur le point de perdre ma base, alors j'ai fait énormément de recherches sur le sujet. Donc, si ça vous plaît que je fasse quelques petits tutos comme ça, s'il y a des choses que vous voulez que je vous explique, n'hésitez pas, on en fera plein. Tant que ça vous est nécessaire, on fera ça. Alors, attendez, comment on fait pour changer de caméra? Ok, alors là on a une caméra. Voyons un peu. Une caméra vue de dessous. Ça peut être pas mal. On est dans la zone des champignons, ouais. C'est un sacré machin à piloter, ça. Dans la zone des champignons, ici j'ai trouvé énormément de pièces. Ok, alors il y a énormément aussi de bestioles hostiles dans le coin. J'ai trouvé énormément de pièces. Alors on va faire ça, activer le mode silencieux. La batterie ça donne quoi? Toujours à 100%. Ah ça, ça use de la batterie par contre. Et j'ai trouvé une bonne partie des pièces pour faire le cyclope ici. J'ai trouvé aussi une bonne partie des pièces... pour la moon pool. La moon pool, c'est là où on garde nos vaisseaux.
Ah bah lui, encore une fois, il a eu un problème, comme tous les autres. Ok. On voit rien avec ce truc, un PDA. Voyons. Alors, si vous voulez le lire, je vous laisse le mettre en pause. Ok, donc je sais pas si vous l'avez lu ou si vous voulez le lire après. Moi, je vais l'écouter. Cherishers and sustainers of worlds, give me this day my daily pleasures, as I give to those who seek pleasures from me. External temperature approaching critical levels. Show me the path in life, truth and love, for mine is the power. I am the one, on and off and on again. Impact imminent. What is it? Plays with itself. I am done playing as this bundle of flesh. Return me. Moi qui disais que c'était compliqué de trouver du lithium, vous avez vu ce que je viens d'en trouver plein en une seconde. Alors, ce qu'on va faire. Du coup, je me suis concentré, j'ai même pas écouté ce qu'il me disait. Kiki. Montrez-moi le chemin dans la vie et les vérités. Ok. Bon, c'est un foufou, c'est ça. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer et mettre quelque chose ici. Ah, là, j'ai accès à la batterie, mais pas à autre chose. Je veux récupérer un truc pour le mettre ici pour lorsque j'ai besoin de lithium. Est-ce que je peux accéder? Oui. Une balise. Yes. Ah, c'est trop pratique. Ici, ça pousse. Tout va bien. Voilà. Alors voilà, je vais vous montrer. Ça tombe bien. Par exemple, ici. Déposer. Hop. Zone. Lithium. Validé. Après, il me suffit, dans ma gestion des balises, voilà, zone lithium, il me suffit de lui appliquer une couleur, de l'activer, de le désactiver, peu importe. Et tout va bien. Alors après, j'aurais pu me baser aussi sur le LifePod 13, qui va toujours rester à l'affichage jusqu'à maintenant. Mais bon, on est pas mal. Regardez, il y en a encore là. C'est énorme. J'ai miséré, j'ai passé des heures dans des caves infestées de saloperies à farmer du lithium. Et ici, il y en a plein. C'est cool. Ok, pas mal. On en veut plein. Il faudrait que je mette un fabricateur. Qu'est-ce que c'est, ça? Le pont du cyclope, ça on l'a déjà, mais par contre... Ça va nous faire du titanium. Ok, c'est comme ça. Hein. De toute façon, vous l'avez vu depuis le début du jeu. C'est comme ça que je trouve les ressources. Que je trouve les parties des vaisseaux et compagnie. Hop. Dans une zone comme ça, ben, vous allez passer avec votre Simov un peu partout. Vous allez fouiller. Jusqu'à trouver... Qu'est-ce que c'est ça, du sel? Du sel, j'en ai plein et je sais pas quoi en faire. Et à chaque fois que vous allez voir une pièce de quelque chose, hop, vous la scannez. Alors pour le cyclope, il m'en a fallu un paquet. Hein. Il a fallu 3 pièces pour le moteur, 3 pièces pour la coque. Et encore, je vous en passe s'il y en avait d'autres. Voilà. Hop. Et ici, on doit pouvoir en plus... Je crois qu'on peut écrire sur ce genre de... Non? Non. Bon, c'est pas grave. C'est pas pratique ces coffres-là, on peut pas écrire. Après, je peux en mettre de l'autre côté. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut construire. C'est assez monstrueux. Alors, voyons par contre. Est-ce que je peux me fabriquer... Qu'est-ce qu'il faut pour le fabricateur? Ah non, mais il faut du corail plat. Que j'ai pas, il faut pas mal de trucs. C'est pas grave. Bon, ben voilà. Si on regarde, tiens... Est-ce qu'on est loin? Si on n'est pas trop loin,
On va essayer d'aller. La zone qui est à 300 mètres ici. Donc, celui qu'on vient de visiter, on l'enlève. La zone qui est à 300 mètres, on la met en rouge. Est-ce qu'elle est loin? 1398 mètres. Est-ce que c'est en direction de la base? Ah oui, c'est peut-être pas très loin de la base. Ok. Mais on en est déjà à 45 minutes d'épisode. Je pense qu'on va en rester là. Hein, la prochaine fois, on va continuer. On va faire plus d'excursions cette fois-ci. Hein, on va partir ici. On essaiera d'aller sur celui qui est à 500 mètres de profondeur. Ce qui est largement faisable maintenant qu'on a le cyclope. Moi, s'il y a des choses à construire, je vais continuer le farming. Si vous avez aussi des idées pour la base et que vous voulez que je développe, n'hésitez pas à m'en parler. Bien sûr, on fera tout ça ensemble. Mettez un commentaire, mettez-en plusieurs, parlez-en autour de vous. Tout ça, ça m'aide, ça vous coûte pas grand-chose. Et moi, vous pouvez pas savoir comment ça m'est utile. N'hésitez pas à balancer un max de pouces bleus. On va arriver jusqu'à la fin de ce jeu et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On est même assez loin du compte, il nous restera encore pas mal d'épisodes. Mais on va avoir de belles surprises. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné l'épisode. Je vous dis à la prochaine, les amis. Et n'oubliez jamais que la force soit avec vous. Ciao, ciao.